an elbow to a bozo's jaw. It's flawless offense done with precision. Get lumped up, he's headhunting, fuck a submission. Pound for pound, the best without a doubt. So come on down and get left out for the count. Yeah, better bring your best, cause here comes the best. Who's your hero? It's Chris Hero. Yeah, quit the injure, any contender. So who's your hero? It's Chris Hero. You better call the coppers, your mama and a doctor. You's about to get clobbered in a slobber knocker. Cruising for a bruising. Ah, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur ce nouvel épisode de WW. Mais non, c'est pas WW2K15, c'est WR. Ça fait, en même temps, ça fait longtemps qu'on s'y est pas replongé véritablement. Donc on est de retour sur Extreme Warfare Revenge avec la très chère Twinkle for McVine qui monte, mais pas tant que ça. Qui monte pas tant que ça parce qu'on l'a vu dans les précédents épisodes, on l'a vu qu'on a galéré. On a galéré quand même à se stabiliser niveau financier. Nous sommes aujourd'hui niveau régional à 24% de public image, ce qui est pas trop mal, mais on a notre bon copain Cavebreaker sur sa chaîne qui a dépassé, je pense qu'il a dépassé les 40, il a son show télé. Il est au 63e épisode alors qu'on fait juste le 19. Et c'est pas en sortant, pour ma part, un épisode tous les deux semaines qu'on va le rattraper. Bref, il y a toujours, vous êtes toujours nombreux à avoir de l'intérêt pour la série de WR, donc on continue. Je vous rappelle également que j'ai un let's play en cours qui est un petit peu what the fuck sur la Progress Wrestling sur TEW qui est à suivre sur Twitch. Ça me permet aussi de me calibrer avec TEW parce que je suis pas encore totalement au point. Et puis voilà, c'est tout à fait sympathique. Donc là, il y a un épisode qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Dépêchez-vous parce que sur Twitch, les vidéos restent disponibles à peu près 14 jours à peu près. Donc voilà, je l'ai tourné vendredi dernier. Donc allez-y si vous voulez rattraper votre retard. On a booké nos premiers shows, c'était la grosse galère. Mais allez-y, ça fait toujours plaisir. Et puis j'aimerais aussi avoir vos retours sur TEW. Il n'y a pas possibilité de laisser des commentaires. Mais bon, je suis accessible facilement. Message privé, Twitter, etc. Allez-y, vous êtes les meilleurs. Sinon, retour à nos moutons, on retourne à Twinkle for McVine. Ouh ! Donc, 24% de public image, le pognon est revenu, ça c'est bon. On n'a pas exactement compris, mais vous avez été nombreux dans les commentaires à m'expliquer pourquoi j'ai récupéré du pognon. On a Chris Hero, nouveau champion, ça fait plaisir. Mais ça coûte cher, 80 000 $ le Chris Hero. Ouh ! Il est en train de nous ruiner. Amigo Killer 08 qui nous dit « Sturi, tu es le meilleur ». C'était le dernier message que je devais lire, mais c'est faux. Je suis pas le meilleur, on est en galère pour l'instant. Il y a Fabien Gauvin qui nous dit un conseil. À toutes mes parties, je recrute Jack Gallagher. Pas cher, super technique. Je le fais turn, et en Family Guy pour des feuds avec des mecs du même profil, par exemple Zack Saber. Des matchs quali pour pas trop cher, des matchs résultats du tonnerre. Un seul point négatif, le charisme. Mets des angles d'autorité ou un manager pas cher, et après fais-le rentrer dans une stable, ça résout le problème. Penche-toi là-dessus, ça vaut le détour. Je veux bien me pencher là-dessus, pardon, mon cher Fabien, mais Jack Gallagher n'est pas présent dans ma database. Donc on oublie. Ah, c'est comme ça. On est malheureusement tenu d'oublier. On a ensuite, autre commentaire. Chalet Bloc 23 qui nous dit « Salut Sturi, tu me fais plaisir, Chris Hero est le champion !» Pour les sponsors, je pense qu'ils ont ajouté des zéros sur tes chèques. Mais tu sais quoi, hein, on s'en fout. Si ça peut te permettre d'acheter d'autres grandes stars, je dis pas non et tu commences à faire de bons shows. Donc tu vas venir bouffer tes rivales, la 3CFM, encore de beaux jours devant elle. Et surtout, c'est ça le catch. Merci, Chalet Bloc 23. Lucky Star qui nous dit, en ce qui concerne les données des sponsors, je crois que c'est parce que à chaque show TV, tu reçois de l'argent par les sponsors. Donc c'est pour ça, c'est parce qu'on fait des shows télé. On a un peu plus d'argent. Tes 400 000 $ et quelques, si tu n'avais pas de show TV, tu aurais donc un seul event pour moi, donc j'aurais moins d'argent. Merci Lucky. Sinon, il y a un super épisode comme d'hab, plaisir de te voir remonter la pente, surtout financièrement. Ta structure en avait besoin, je pense également. Enfin, un dernier commentaire par Pigarette, camarade. Ken45 bosse pour la Michinoku Pro et non pas la Dragon Gate. Bonne anecdote de la part de Pigarette, puisque Ken45 faisait partie de ces catcheurs qui ont été aux précédentes éditions de Japan Expo. Donc Pivi les a forcément côtoyés. Un super catcheur qui trouve Clio 2 mieux qu'une BMW, ça c'est pour la petite anecdote. Bref de conneries, bonne continuation Sturi, super taf comme d'habitude. Merci Pierrot! Pierre Cassiamoke, qui a marqué ses premiers points d'ailleurs dans le classement de 3CFM, de la vraie, c'est celle 4CFM. Le classement à retrouver toutes les semaines, tous les mardis soirs sur c'est celle 4CFM. Allez, ça y est, j'ai assez dit de conneries, on peut y aller, on peut avancer. Merci encore une fois pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien, même si je sors des épisodes moins fréquemment qu'au début.
Il y a toujours de l'encre, il y a toujours de la demande pour EWR. Donc, on continue, on va même se booker notre premier show. On a quelques petits mails. On a informé donc du coup Craig Titus a pris un contrat avec la CW, ça on s'en fout. Dave Mastiff préfère aller bosser à la CML plutôt qu'à la PWG, très bien. Garrett Bischoff parti à la PWG, ok. Le East Coast Cowboy prend un contrat avec la CW. Ils sont forts hein, la CW, hein. On les suit quand même, mais. Une grosse structure qui est en train de monter petit à petit, qui est en train de prendre tous les talents qu'on avait formés chez nous. Et puis voilà, après quelques petites informations des sponsorships, forcément, puisqu'on est en début de mois, Red Titus qui se casse, Zombie qui se casse de la IWX. Tursaf signé par IWX, ça fera toujours plaisir à certains fans, on salue Pogol. 22, Goshiyazaki qui prend un contrat avec la CMLL, bon, pas de choses très intéressantes maintenant. On n'a plus trop de risques par rapport à nos catchers, puisque la majeure partie d'entre eux est désormais signée. Ça va, c'est pas trop mal, c'est pas trop déconnant. Red Titus, etc. Par contre, s'il y a un zombie qui a été lâché. Il est en dessous de sa cartiasse, tout ça. Va peut-être être intéressant de le recruter. 53 en Overness, Brawl à 50, Speed à 82, c'est ça qui est très intéressant. Technique 47, Charisme 48. C'est vrai qu'il est pas cher le zombie, est-ce qu'il accepterait de venir en Brighton? Non. Est-ce qu'il viendrait en Open? Oui. Est-ce qu'à partir d'un contrat open, il accepterait une signature? Il signe. Voilà. Un an. Boum. Clac. On a Zombie qui est de retour. Zombie. On sait pas. C'est quand même un ancien champion de la 3CFM. Donc, ça peut-être servir. On verra tout de suite si ça va nous servir pour le show qu'on va se booker tout de suite. Ça va être, je pense, un épisode plus réservé à de l'action, à des shows, pour essayer de se boucler l'intégralité du mois d'août. 2019. Allez, à tout de suite, on marque une petite pause et on revient pour la suite de C'est ça le catch. Et de WR et tout ça. Allez, zou. Et on est parti pour ce premier Trick on for Tuesday. Ok, Trick on Tuesday. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu la lumière parce qu'on se serait cru au début de l'épisode dans les premières vidéos du What the Cut d'Antoine Daniel. Donc du coup, voilà, j'ai changé. On est mieux. Ah, oh, la lumière. Puis c'est bien, j'ai un plus beau teint, comme ça c'est mieux. Un beau teint, pas pour appeler, pas les pages jaunes, hein. Un beau teint, voilà, si vous voulez, enfin bon bref. Cracker Jack est dans le ring avec un microphone pour démarrer le show, il annonce qu'il y a une nouvelle signature en la personne de Monsieur Shane Hawk, qui avait pas été viré, justement, au précédent show. Il est déjà de retour, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une embrouille, Il arrive dans le ring et attaque donc du coup Cracker Jack, bah oui. En même temps, tu venais de le virer, donc il t'a rendu la monnaie de sa place, le Tomahawk, et il se la pète un petit peu avant de quitter le ring. Shane Hawk a gagné 3 points d'Overness avec ce segment, Cracker Jack en a gagné 1, ça fait un 77. C'est parfait. Joel Redman, donc du coup, vient défier Shane Hawk, parce que Joel Redman fait son début de suspension. Il a débuté sa nouvelle gimmick et c'est une réponse négative. Merci. J'ai mis une gimmick évolution, apparemment, d'après gimmick gen, c'était pas trop mauvais comme gimmick, mais là, apparemment, là, non. Non, là, ça passe pas. Tant pis pour moi, et encore une fois on s'est planté au niveau de la gimmick, donc merci Joel Redman. Et pourtant je donne la victoire à Joel Redman qui surprend donc du coup Shane Hawk sur ce match et qui se barre en courant après le match parce que voilà, il est un petit peu surpris de sa victoire. Qualité de match à 70%, donc ça c'est bien, le rating 61%. Bon, bref, on aurait pu quand même avoir mieux. Mark Haskins et Pete Dunne s'échangent quelques petites insultes pour continuer un petit peu de pimenter leur rivalité. Bah, apparemment ça marche très très bien parce qu'Haskins prend 3 points d'Overness, Pete Dunne en prend 2. J'ai envie de dire, insultez-vous plus souvent si c'est comme ça. Hein, ça nous arrange. Mark Haskins affronte Brandon Gaston et finalement Mark Haskins gagne le match grâce à une intervention foirée de Pete Dunne. Victoire 1-2-3, Brandon Gaston est totalement dégoûté et préfère s'en prendre encore une fois à l'arbitre. Brandon Gaston sur une porte. Ça fait un bon match, hein, qualité de match à 82%. Va peut-être falloir les refaire bosser plus souvent ensemble, Gaston et Haskins. Parce que je suis vraiment très agréablement surpris de cette qualité de match et je pense que ça peut vraiment aider Gaston à prendre de l'overness. Tant mieux. Chris Hero est en train de se préparer backstage puisqu'il sera dans notre main event et vous allez voir son adversaire un petit peu plus tard. 78%, je n'ai rien à dire. Dalton Casson, Jimmy Olsen affrontent Trevor Lee et Ken 45 pour la déconne. Forcément, Castle et Jimmy Jam remportent le match. Intervention à la toute fin, une fois qu'ils avaient gagné, de nos bons amis les vilains, c'est-à-dire Marty Skrull et Peter Avalon qui viennent casser la gueule forcément de leurs deux rivaux du moment. 60%, pas un match exceptionnel, qualité de match cool, mais la courbe de réaction basse forcément puisque les deux mecs qu'ils ont battus sont des jobbers et la fuite se poursuit. Jarvis Cottonbelly claque une promo sur Chris Hero puisque c'est lui qui affrontera Chris Hero dans le main event pour le championnat d'ailleurs.
Parce que Jervis Cotton Bailey, il y a un gros overness, donc je pense que ça peut faire un excellent match. Et ben la preuve. 72% d'overrating, crowd reaction à 60, match quality à 84, ça a forcément très très bien cliqué entre les deux. Chris Hero, Jervis Cotton Bailey, victoire de Chris Hero, forcément. Hein, et Radcoms, Rolling Elbow, hein, My name is Chris Hero et j'envoie des elbows dans ta face. 1, 2, 3, victoire de Chris Hero. Jervis Cotton Bailey propose une poignée de main à Chris Hero qui, une fois de plus, refuse la poignée de main. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Hero? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content du salaire qu'on vous donne? Vous refusez de serrer la main de Mark Haskins? Vous refusez de serrer la main de Jervis Cotton Bailey, qui est pourtant un sacré gentleman? Il va falloir vous expliquer un moment, monsieur Hero. 68%, on a fait un excellent show. C'est peut-être même le meilleur show qu'on ait fait. Tu déconnes comme ça, pour le début de cet épisode 19, on vient de faire notre meilleur show. Eh ben oui. Eh ben oui, on vient de faire tout simplement notre meilleur show. Qualité. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quelques petites réactions d'après-show. Dalton Castle et Jimmy Olsen marchent très bien en équipe. Et ça, bien entendu, on l'avait remarqué, donc du coup, on exploite un petit peu le truc. 0,48 pour Trick on Tuesday, attendant 148 personnes. Blaster McMassive qui va bosser à la CML, ça, on s'en fout, et Joe Janela, PWG. Ok, très bien, on est à 26% de public image. J'oublie, on était à combien tout à l'heure? 23, donc on a pris 3%. Si on prend 3% à chaque fois, c'est pas trop mal. On va continuer les petits shows, et puis ben, on se retrouve tout de suite. Prochain show, les amis, prochain Trick on Tuesday, on bouffe du catch, amenez-nous du catch. Allez, encore. Et c'est parti pour ce deuxième Trick on Tuesday qui démarre avec un match entre Joel Randman et le revenant Aaron Arbo. Et oui, j'ai redonné un contrat à Aaron Arbo parce que voilà, si tu faisais un petit peu le comparatif avec tous les catcheurs qui avaient à peu près à son niveau qu'on pouvait signer, Aaron Arbo était le plus intéressant sur un point de vue de stats. Stats oui, parce que regardez, qualité de match, on fait 78%. Par contre, je pense qu'on va être victime du petit troll du jeu, c'est-à-dire la moyenne qui détermine l'overall rating de certains matchs. Ce qu'on fait malheureusement que 57 pour un match qui aurait peut-être pu dépasser, ouais, qui aurait pu même se rapprocher des 60, allez, 64. Joel Redman, Aaron Arbo, victoire de Joel Redman, une fois de plus, qui surprend le monde et qui remporte encore une fois une victoire intéressante pour la suite. Cracker Jack backstage qui, bien sûr, claque une promo sur la tête de Shane Oak, qui l'a attaqué après avoir été réinstauré au sein de la structure. Ça va pas forcément faire plaisir à Shane Oak, mais Cracker Jack, en tout cas, a bien raison de se venger du dernier coup. Façade contre Ken 45, là aussi on va pas être véritablement aidé par l'overrating, malgré une qualité de match vraiment très intéressante, 86% de catchers qui cliquent très bien ensemble. Victoire de Façade, Ken 45 donc du coup qui s'est fait avoir, ce qui amène à une petite attaque de Trevor Lee et Ken 45, hein, qui sont souvent ensemble en ce moment sur Façade, et qui vient faire le save, c'est ce bon vieux Zombie qu'on a repris donc du coup dans la structure. Tout le monde prend un peu d'overness, donc ça c'est pas trop mal, et puis tant mieux, ça fait un segment à 62%. S'ensuit un match entre Zombie et Trevor Lee, victoire de Zombie, pas plus surprenant que ça, et on se fait encore une fois bien dépouiller par un overrating particulièrement naze. Dommage, ah, ça va pas faire un bon show. Cracker Jack dans le ring, arrive donc du coup Shane Oak de nulle part, Shane Oak vient encore une fois lui taper dessus, et Cracker Jack le suspend. D'accord, ok, super, bah, il vient de revenir et il se fait déjà suspendre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde prend de l'overness, ça fait encore une fois un excellent segment. Donc, à voir ce qui va se tramer par la suite entre Cracker Jack, pardon, la figure d'autorité et ce bon vieux Shane Oak. Mark Haskins, Brandon Gaston, cette fois-ci, ça va se régler une bonne fois pour toutes entre les deux. Il va pas y avoir d'intervention possible. Victoire de Mark Haskins, avec beaucoup de logique, bien entendu. Pete Dunne est venu à la fin, par contre, régler le compte d'Haskins. Ça a même conduit un angle entre les deux où les deux se battaient, ils s'échangeaient les insultes, etc. Tout le monde, les officiels, etc. Jérôme Clabeau, ils sont tous venus les séparer. Et ça fait un segment à 60%. La tension continue de monter entre ces deux catcheurs. Le main event! Gentlemen Players, Player Uno et Jervis Cotton Bailey contre les vilains, Peter Avalon et Marty Scurll. Ça fait un excellent match qui aurait pu être encore bien meilleur si on n'avait pas été pourri par ses moyennes. La victoire des vilains suite au heel turn de Player Uno. Où veux-tu en venir, mon cher Sturi? J'avais surtout besoin de rééquilibrer mes heel et mes face. Et j'ai un Player Uno, en fait, qui peut, je pense, être un excellent Evil Uno, c'est-à-dire son alter ego démoniaque. On va amener Evil Uno sur le terrain pour le faire confronter Jervis Cotton Bailey. Ça va permettre, je pense, de faire monter les deux, puisque s'ils sont plutôt complémentaires dans le ring en équipe, ils peuvent être d'excellents adversaires. Player Uno, donc du coup, a tourné heel, il a même pris 4 points d'overness avec ce turn.
Ça fait un match qui aurait pu être bien meilleur si on n'avait pas été gêné par les notes. Ça aurait dû faire du 70%. On fait un show finalement à 61 parce que voilà, il y a ce fameux bug qui, enfin, pas vraiment un bug, mais on est rentré donc du coup dans cette position de show qui, voilà, qui nous déstabilise. Je vais tout de suite changer la gimmick de Player Uno. Vous voyez qu'il est passé à 56 en Overness. Je vais tout de suite le changer de Comedy Character, bien entendu, à Evil, le diable. Ça risque d'être intéressant. Oh, oui, 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 j'ai bien envie de dire, ça peut être très intéressant. Joel Redman et Aaron Arbaugh marchent très bien ensemble. Eh ben écoute, merci Rodat Jeune Vieux. 0,52 de rating pour Trick on Tuesday, donc meilleur rating que la semaine dernière alors qu'on a fait une moins bonne qualité de show. Kim Aniston a pris le contrôle de la Ring of Fire, donc ça nous intéresse que peu. Il y a plusieurs catcheurs qui sont partis de là-bas. Je vais commencer à surveiller surtout c'est les catcheurs qui quittent les grosses structures. Parce que voilà, on peut peut-être, comme on a fait le coup là pour Zombie, on va peut-être pouvoir récupérer quelques perles. Merci, très bien. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je vais faire un petit point quand même sur le roster. Aaron Arbaugh est à 50 de l'Overness. On a Brandon Gaston à 42 qui peine quand même à prendre de l'Overness. Ça, c'est dommage. Chris Hero est très haut. Il est à 61 désormais. Dalton Castle, on n'a pas vu donc du coup au dernier show, 51. Façade 44. 60 pour Jervis Cotton Bailey qui est très haut lui aussi. Jimmy Olsen, 51. Joel Redman, 46. Ça va monter, ça va continuer de monter petit à petit. Ken 45 est à 41. Cracker Jack 59, le People's Boss, Mark Haskins 55, pardon, Marty Scurll 50, Pete Dune 57, Peter Avalon 50, Peter Fisher qu'on n'utilise pas, mais parce qu'il est en contrat open. Donc du coup, voilà, je le garde peut-être que pour les gros shows, c'est le part-time player Peter Fisher 69, plus gros overneuf de la structure d'ailleurs. Player Uno est à 56, Sol Rinaro est à 48, Shane Hawk 58, Sean Oguri 59, qu'on devrait signer, hein, Sean Oguri, je pense. Il va pas vouloir aussi une signature parce qu'il faudrait lui faire perdre un peu d'overness pour pouvoir le signer. Trevor Lee est à 45 et Zombie est à 54. Ok, bah écoutez, vous savez ce que ça veut dire. On est parti pour le prochain show, les amis. Ça s'enchaîne. A tout de suite. Et c'est parti pour le prochain show qui en fait est notre gros événement du mois d'août. Et oui, bah j'avais oublié qu'il était casé là, comme ça en plein milieu de mois. C'est It's Over, Brother Nero, It's Over. Ça démarre directement avec Jervis Cotton Bailey contre Player Uno, qui est plutôt Evil Uno, j'aurais dû le renommer, mais j'ai oublié. Voilà. Player Uno a démarré sa nouvelle gimmick, ça a une réponse positive, tant mieux pour nous. La qualité de match est à 70%, je me serais attendu à mieux, mais on va peut-être pas s'en plaindre. Victoire de Player Uno au final qui gagne en trichant. Après, qu'est-ce qui se passe? Oula, Sturi, il relève pas tout, enfin, il gagne le match, c'est Evil Uno, c'est, il nous met dans... Il nous met dans nos états. Il enlève en fait le turnbuckle. Jervis Cotton Bailey l'est pris dans la gueule. Donc voilà. Et puis derrière, Uno l'a rattrapé par par le pantalon, tout simplement. Hein, par le tight. Et lui a porté une victoire. 1, 2, 3. Player Uno remporte le match. Perfectly acceptable wrestling. Ça ouvre bien le show avec une bonne note de 65%. Pete Dunne backstage claque une promo sur Mark Haskins pour continuer leur feud. 58%. C'est un peu bas, je trouve, parce que là, on va régler les comptes une bonne fois pour toutes entre les deux. Je suis un peu déçu. Ouais, 58%, Pete Dunne nous a quand même habitué à bien mieux au micro. Les vilains contre Dalton Castle et Jimmy Olsen. Excellent combat par équipe qui se terminera par une double disqualification. Les deux équipes ont continué de se battre à l'extérieur du ring. Bref, c'était encore une fois de la charpie, du gros bordel. Le match était particulièrement chouette. Malheureusement, pas encore de vainqueur entre les deux. La feud va continuer, bien entendu. Et on passe à la suite. Ça fait une excellente note. Une limousine arrive et c'est Sean Oguri qui en sort. Sean Oguri est de retour dans la baraque. Ça fait 82%. Sean Oguri était très attendu. Il prend même 2 points d'Overness au passage. On va voir ce qu'il a à nous dire, l'ancien patron de la structure. Chris Hero arrive. Enfin, l'ancien patron. Chris Hero arrive. Il va défendre son championnat contre Zombie pour l'STO Contender. Puisque voilà, champion contre ancien champion. Qui est véritablement le meilleur? Pas de doute là-dessus, hein, qui est ton héros, c'est Chris Hero. Bien sûr, Chris Hero a décroché la ceinture suspendue au-dessus du ring après une incroyable chute de Zombie directement vers l'extérieur. Il a pris un gros, le bump de sa vie. Chris Hero remporte le combat et ça fait un match particulièrement décent qui ne méritait pas d'être le main event à mon sens. Mark Haskins est backstage qui continue à talker trash à propos de Pete Dunne. Qu'est-ce qui se passe? Attention, ça conduit tout simplement au main event. Avant ça, Sean Oguri est dans le ring et annonce donc du coup son nouveau client.
puisqu'il est de retour en action. Son nouveau client n'est nul autre que Shane Hawk, mais il vient de se faire virer. Qu'est-ce qui se passe? Shane Hawk, il part, il revient. Ça va pas plaire. Ça, Sean O'Gourie et Cracker Jack, je pense, auront des comptes à régler par rapport à ça. Parce qu'il ramène donc du coup un client que Cracker Jack avait viré. Pour les shows télé, c'est peut-être pas bon. Attention, on va voir ce qui va se passer entre Sean O'Gourie et Shane Hawk. Tout le monde a pris un point d'overness et ça fait un excellent segment en tout cas qui a ravi les fans. De la hit à fond la caisse. Mark Haskins contre Pete Dunne, match de cage. On n'a pas un match si bon que ça finalement. Match quality à 65%. Plutôt décevant, la crowd reaction a même été meilleure que la qualité de match. Pete Dunne remporte le match et termine une bonne fois pour toute la feud en blessant Mark Haskins à la fin du match. Après avoir gagné, il a continué donc du coup de l'attaquer. Mark Haskins du coup perd cette feud et Pete Dunne prend 6 points d'overness. On va avoir un gros heal bien méchant avec Pete Dunne par la suite. Et ça nous fait un show encore une fois à 68%. On égalise le meilleur score qu'on a fait jusqu'alors. Les amis, j'ai envie de vous dire, ça commence à sentir bon par rapport aux qualités. Merci, des remerciements de la part de Pete Dunne parce que cette dernière feud l'a vraiment boosté contre Mark Haskins. On a eu 672 personnes, bien moins que la Ring of Honor comme vous l'avez vu. Mais on a eu plus de monde que la PWG. Ah ah ! Plus de monde également que CW. Je dis des conneries, on a fait combien nous ? 672, bah oui, regardez, on les a bouffés. Ah ah, bah bien sûr, pas mal. On a pas fait mieux que la Chikara, d'accord. On a pas fait mieux que la Lucha Underground. On a fait un peu moins bien qu'NXT. Bon, Superfly en plus qui a pris un contrat là-bas, Fireball, Atsushi Kotoge. Ok, 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 clear all, on s'en fout. Truc CFM, on est à 32% de public image. Le pognon monte à fond la caisse, c'est normal. Mais on risque d'en perdre beaucoup après le bilan économique du mois. Allez, on se book. Qu'est-ce qui se passe après It's Over? Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça tout de suite. On va se booker Trick on Tuesday ensemble. On débrief ça. Et on revient pour la suite de WR sur la chaîne CSL Catch. A tout de suite. Et on est parti pour ce nouveau Trick on Tuesday avec Chris Hero qui est dans le ring et Joel Redman qui vient le provoquer pour un challenge. Alors Chris Hero qui est resté grand champion donc du coup après sa victoire sur Zumbi a pu véritablement d'adversaire à confronter et c'est pourtant ce Joel Redman qui voilà obtient des victoires un petit peu facilement qui vient provoquer donc du coup Chris Hero. Chris Hero un peu sûr de lui accepte le challenge, ça sera le main event de notre émission. On a Player Uno qui continue donc du coup sa dévastation en battant, balayant Monsieur Saul Rinaro. On l'utilise pas trop puisqu'il a plus le profil d'un jobber au sein de la structure. Victoire de Player Uno et Jervis Cotton-Belly, bien entendu, a décidé de se venger de sa défaite de ce dimanche dernier en venant attaquer donc du coup Player Uno pour continuer la feud entre les deux. Ça fait un match plutôt correct, plutôt décent, même si je m'attendais quand même un petit peu à mieux entre Rinaro et Player Uno. Bref. Cracker Jack et dans le ring arrive de nulle part Monsieur Sean O'Gourie qui a fait son retour avec son nouveau client Shane Hawk. Ils viennent donc du coup se confronter l'un à l'autre. Tout le monde prend de l'overness, ça fait un excellent segment qui fait 81%. 80. Waouh, c'est hyper, c'est costaud, c'est génial. Shane Hawk donc du coup a été réintroduit par Sean O'Gourie. Ça risque de barder entre les deux. Trevor Lee contre Dalton Castle, un petit filler comme ça au passage pour vous donner une victoire rassurante à Dalton Castle. On va jouer sur le fait que Jimmy Olsen n'est plus trop dans le coup pour le moment après le match et la grosse brawl qu'il y a eu contre les vilains. Victoire donc du coup de Dalton Castle, 1-2-3, petit match basique qui me permet aussi un petit peu de tester Trevor Lee contre d'autres adversaires. Sean O'Gourie est backstage avec Shane Hawk. Shane Hawk indique sa position contre l'autorité de Cracker Jack. Comme quoi il n'est pas un bon représentant justement de la structure de la Trick on Tuesday. C'est pas trop mal, ça fait 69%. Je m'attendais quand même à ce que Sean O'Gourie relève un petit peu la note de Shane Hawk. Bon, on va faire avec. Shane Hawk affronte Façade. On avait vu en plus sur les précédents mois, Façade bat facilement Shane Hawk. Et là, la tendance s'inverse totalement. Victoire de ce très cher Shane Hawk qui fait ses débuts. Les débuts, c'est vrai, retour dans le ring. En éliminant donc du coup un face très apprécié en tout cas du public. Une vidéo est montrée pour hyper le catcheur Pete Dunne qui a remporté la feud, je le répète, contre Mark Haskins. Et on arrive donc du coup au main event. Chris Hero contre Joel Redman. Et victoire, mais qu'est-ce qui se passe? Victoire de Joel Redman, le titre n'était pas en jeu. Il remporte ce match par décompte à l'extérieur. Une victoire un petit peu volée sur un Chris Hero, particulièrement agaché derrière ça. Et Chris Hero qui a été chercher une chaise et qui a planté cette chaise sur la face de Joel Redman. Joel Redman qui bat Chris Hero, enfin quelqu'un l'a battu, même si c'est pas de la meilleure des manières, mais d'une manière totalement, encore une fois, surprenante, Joel Redman reste invaincu au sein de la Tricount for McVine. Incroyable quand même, Chris Hero perd un point d'overness, Joel Redman en gagne deux.
Ce sera intéressant de voir la suite entre ces deux hommes. 67% fait encore une fois un excellent show, bravo. 34% au niveau de la public image, ça monte, c'est particulièrement bien. On est avec quelques petites nouvelles, Bestia 666, Devin Cutter, pas beaucoup d'informations sur notre propre carte. Chris Hero qui devrait être plus haut dans la carte, il n'est pas encore main eventer, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe Thury? Qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? Chris Hero, bien entendu, main eventer, faut pas décoller non plus. Mais non, il est au permis de quart d'heure. Incroyable, mais non, quand même pas, faut pas décoller. Très bien, impeccable. Est-ce qu'il a pris de l'overness, donc du coup, ce cher Joel Redman? Oui, qui est passé à 50 d'overness, ça c'est plutôt intéressant. Player Uno est à 62, vachement ouvert Player Uno, on va peut-être le pusher lui aussi, et puis je vais le renommer tout de suite en Evil Uno. Gros overness, hein. Rien à dire là-dessus. Je l'ai écrit un peu n'importe comment, vous m'excuserez. Hop, si je recontinue comme ça, c'est toujours écrit avec les pieds. On change ça et on va passer à la suite tout gentiment les amis. Merci pour ce push, merci pour ce push. Tout le monde me dit merci, c'est incroyable, c'est beau, c'est un bel univers. C'est le catch, voyons. Le dernier show, on va se le booker ensemble les amis. On va se le booker ensemble avant de faire le bilan économique pour terminer le mois. Avec quelques petits mails au passage. On va regarder s'il y a des catcheurs qui ont été relâchés, qui peuvent être intéressants à recruter. Non, on a plus des informations sur des ratings. On a Colin Delany par contre qui a été relâché par la PGHW. Waouh, si on met. On a Naomichi Marufuji qui a été relâché également. Marufuji, ça peut m'intéresser parce qu'il me semble qu'il n'a pas encore des stats trop dégueux. Naomichi Marufuji qui est ici, qui est à 54 d'overness, qui tourne avec la WMF, donc ça va pas m'intéresser. Brawl seulement 43, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, c'est plus c'est pas le Marufuji qu'on aime ça. Colin Delany par contre, l'ancien jobber WWE, qui est plutôt très sympa, qui a des bonnes stats, j'aurais pensé qu'il aurait plus en charisme. Parce que ça peut être intéressant, c'est cher malheureusement. Donc on va s'en passer. On a CM Punk également qui est unemployed. Mais c'est bien au-dessus de nos moyens. Et je pense qu'aussi en termes de star power, c'est pas jouable. On va se booker ça les amis. On a Joel Redman donc du coup qui a fait l'upset sur Chris Hero. Je vais tout de suite commencer par le main event. Pour montrer que c'était donc plus de la black coach chose. Chris Hero va battre Joel Redman dans ce dernier show. Tout simplement c'est un choix que je fais pour que... on va mettre le titre en jeu. Chris Hero va gagner le match. Et je vais plus tenter une poignée de main entre les deux hommes. Pour peut-être par la suite les associer. Histoire que voilà, notre vieux daron Chris Hero transmette un petit peu son savoir, son overness à un jeune catcheur. Qui est plus si jeune que ça bien entendu. Mais voilà, il a eu un petit peu ce statut comme ça de newcomer. Handshake entre les deux hommes. Chris Hero lui a donné son respect. Tu sais, c'est un petit peu Chris Hero, j'utilise un petit peu comme à l'époque l'Undertaker, lorsqu'il était Big Evil et que voilà, il était un petit peu entre deux eaux, il était, on ne sait pas s'il était face ou heel. Je vais donner par contre l'overness à Joel Redman pour ce match. On va tout de suite, on a le retour de Pete Dunne. Pete Dunne, ce sera intéressant de pouvoir le construire vraiment comme notre big guy, notre tough guy désormais. On va sortir un peu Mark Haskins que je vais pas réutiliser donc du coup sur cette journée pour essayer de laisser passer un petit peu le temps. Pete Dunne va prendre une grosse victoire contre, alors il faudra un face qui est quand même pas mal d'overness. Je vais lui donner une grosse victoire. Alors c'est vrai qu'on a Peter Fisher qui est un bon babyface, mais ouais, je vais peut-être faire l'économie Peter Fisher ce mois-ci sur ce mois d'août. Je vais lui donner une victoire importante, bah tiens sur Dalton Castle qui était plutôt bien utilisé ces dernières semaines. On va lui donner une victoire importante. Pete Dunne, voilà, victoire de Pete Dunne. Clean. C'est vrai que je suis plus en train de construire de gros heals que de face. Je suis en train de m'en rendre compte petit à petit. Ah. C'est vrai qu'on a une grosse construction sur Pete Dunne, sur Shane Hawk et sur Evil Uno. Ça en fait trois gros. C'est pour ça que je suis en train un petit peu de rattacher Chris Hero côté face. Parce qu'on a des gros heals en préparation. Il nous manque des héros. Hein. Il nous manque vraiment, enfin des héros. On a Chris Hero, bien sûr. Mais il nous manque de voilà des catcheurs, des gros babyface. C'est pas, peut-être. Suggérez-moi, hein, bien entendu, des catcheurs qu'on pourrait faire tourner par la suite. Ça pourrait être intéressant. On va redonner un match par équipe à Marty Scurll et Peter Avalon. On va leur faire voilà prendre une victoire facile sur deux potentiels jobbers. On va mettre Fassad et Saudrinaro. Ça, au moins, c'est fait. Hop, victoire de Reinaro. Victoire de Marty Scurll, pardon, sur Reinaro. On n'en parle plus. On passe à la suite, on va donner une victoire aussi juste après ça, boum, clac, je fais une célébration des vilains normales. Tout en le good match. Hop.
On va donner une victoire aussi à Shane Hawk. C'est important pour continuer un petit peu de le consolider. Qu'est-ce qui va me rester en babyface? Il peut battre Zombie par exemple. Voilà, il peut battre l'ancien champion, c'est pas mal. Zombie, victoire de Shane Hawk. Victoire clean. Ou peut-être en trichant, je sais pas. Zombie est quand même assez over. Voilà, on va la donner clean quand même à Shane Hawk. Et célébration derrière, rien de plus incroyable. Good match. Et je vais peut-être refaire un angle où Cracker Jack va venir attaquer Zombie. Shane Hawk après ce match. Backstage attaque. Voilà. Allez hop, Cracker Jack. Qui vient attaquer Shane Hawk. Je pense que ça peut être intéressant pour teaser encore des choses entre les deux par la suite. J'ai pas démarré de feud. J'aurais peut-être dû démarrer une feud entre Shane Hawk et Cracker Jack. Même si, voilà, y a pas, je pense pas qu'ils vont avoir vraiment un gros facteur commun au niveau de leur qualité de ring. Et Cracker Jack, j'utilise plus comme figure d'autorité, comme vous l'avez remarqué ces dernières semaines. Ok, on va mettre un petit segment avant Pete Dunne, Dalton Castle, en donnant une promo plutôt à Dalton Castle. Puisque Pete Dunne a été plutôt décevant sur les dernières promos qu'on lui a fait faire. Je vais la donner à Castle. Dalton Castle, Pete Dunne. Un match qui m'intéresserait beaucoup, tiens, à voir IRL. Ça pourrait être intéressant. Joel Redman, Chris Cerro. Alors, attendez. Interview, on va faire un angle, on va refaire le challenge. Sauf que cette fois-ci, on va le faire dans l'autre sens. Ça va être pour tonight, ça va être cette fois-ci Chris Hero qui va challenger Joel Redman. Bien, impeccable. Et on va terminer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme feud en cours? C'est vrai qu'on a Evil Uno et Jarvis Cotton Belly. On va peut-être refaire juste un angle entre les deux pour, voilà, pour redonner peut-être un peu d'avantage à Dalton Castle, à Dalton Castle, à Jarvis Cotton Belly. On va faire Midget Impressional Brawl, c'est marrant parce que ça peut coller un petit peu au personnage de Jarvis Cotton Belly qui est plutôt un caractère un peu comique. Inrig, on va faire donc du coup Jarvis Cotton Belly backstage Evil Uno. Voilà, ça c'est bien. Je peux démarrer mon show, j'y vais directement, comme ça, ça va plus vite, et on se débriefera donc du coup la fin de mois ensemble. Chris Hero gagne 2 points d'overness avec ce segment où il vient de challenger Joel Redman, et Joel Redman en gagne 3, 74%, c'est particulièrement très intéressant. On a Zombie contre Shane Hawk, donc du coup pour ouvrir le match, et victoire de Shane Hawk, hein, je l'avais donc annoncé. Ça fait pas un match aussi excellent que ça, hein, 66% de qualité de match avec 59% de win rating. Est-ce que Zombie était quand même une bonne recrue au final? Je commence un petit peu à en douter. Shane Hawk backstage, donc du coup qui se fait attaquer par Cracker Jack. Grosse brawl qui éclate entre les deux, jusqu'à ce que Cracker Jack prenne l'avantage sur Shane Hawk. 71% Shane Hawk bat en retraite. J'ai pas utilisé Shadow Gory volontairement parce que voilà, il me coûte de l'argent à chaque apparition. Tout le monde prend de l'overness, donc ça c'est plutôt bien, hein, plus 3 pour les deux. Ça c'est bien, c'est parfait. Les vilains affrontent Façade et Salary Naro, une victoire simple, bonne qualité de match, crowd réaction moyenne parce que voilà, Façade, Reynaro. 62%, ben, impeccable. Dalton Castle qui claque une promo sur Pete Dunne, ça fait que 60%, c'est un peu décevant. Ça a quand même permis à Castle de prendre un point d'overness, donc tant mieux. Pete Dunne, Dalton Castle, par contre, quand ils s'affrontent, c'est beaucoup mieux. Hein, qualité de match à 82% avec un overall rating à 70%. Très bien, victoire donc du coup du Bruiserweight, on est bien, 70%. Parfait. Le segment un peu comédie avec Jarvis Cotton Belly et Evil Uno, 69%, voilà, vous voyez, il y a... un nain, tout simplement, voilà, et on salue Kevin Rhino, qui adore les nains. Il y a un nain, donc, du coup, qui ressemble à Evil Uno, c'est plutôt effet comique, etc. Ça marchait très bien dans les années, voilà, fin 90, début 2000, hein, voilà. C'est des choses qu'on voit un peu moins depuis aujourd'hui sur les scènes de catch. Mais bon, voilà, c'est à peu près quand le jeu a été conçu, donc c'est pour ça qu'il y a encore ce segment dans le jeu. Chris Hero, Joel Redman, le match, la rencontre entre les deux pour le titre, ça fait 70% de overwriting, donc c'est particulièrement très cool. Bonne qualité de match. Poignée de main à la fin, donc victoire de Chris Hero. Le titre en plus a pris en image, donc tant mieux. Et on finit avec un show à 67%. Donc c'est plutôt confort, c'est plutôt intéressant. Merci Randa John vient de nous dire que Peter Skull et Peter Avalon marchent bien en équipe, on est au courant. Et Chris Hero et Joel Redman ont une bonne chimie dans le ring, des styles plutôt similaires, donc ça marche également très très bien.
tant mieux quelque part, voilà, on a un Joel Redman qu'on est en train de monter un petit peu comme notre gros babyface, pour un petit peu dépasser Mark Haskins, qui est un bon babyface aussi, hein, attention, faut pas déconner. Chris Cerro, hyper solide, 62, je pense que, si je dis pas de conneries, avec les segments, tout ça, Cracker Jack est monté à 65, hein. C'est Cracker Jack désormais qui est le... qui est la figure la plus over de la structure, si on oublie Peter Fisher, bien entendu, il faudra faire bosser, hein. Donc du coup Peter Fisher au mois de septembre pour pas que le moral soit trop en baisse. Ok, on va faire notre bilan économique pour terminer cet épisode, cette petite session du mois d'août là qui a fait en tout cas bien plaisir, hein, Mark Haskins, qui, Mark Haskins, Marty Scurll qui rigole toujours de sa petite photo. Pas de mail, donc très bien, attention, on passe au 1er septembre. Des mails à foison, les amis. On va quand même regarder notre public image, 36%. On a encore monté, donc ça tant mieux. Extreme Mail, on est où? On est là. La Pride a annoncé ses prochains compétiteurs. Top Pritchard s'est retiré de la Ring of Honor. Tim Horner s'est retiré. Scotty Tuohy s'est retiré de la Ring of Honor. Ok. Al Snow s'est retiré de la AAA. Jazz se retirera dans un mois. Akotisho Saito, on a une pensée pour Misawa au passage, se retirera dans un mois. Takashi Yuzika se retire également dans un mois. Nitro se retire dans un mois. Nitro, connaît maintenant en France, qui vient régulièrement à l'APC. Ça fait plaisir. Osamu Namiguchi se retirera aussi dans un mois. Paul Vora, ok. Artillero, donc pas de grosses nouvelles. Nouveau TV show pour la IWC. Les, alors, Thursday, c'est le jeudi. Personne vient se foutre au... Ah, oulala, CMLL. Si, ils ont un show le mardi. On va aller voir si, si on est en concurrence avec la CMLL, ça risque d'être compliqué. AJ Styles a quitté les WWE. Putain, mais pourquoi on n'est que là au niveau de... Ah, on adorerait tellement recruter AJ Styles. Shadow Gory augmente sa casque. El Drake quitte la lucha. Marty Scurll est à un mois de la fin de son contrat. Il va falloir essayer de signer ça. Pete Dunne est à 3 mois de la fin de son contrat. Et Peter Fisher augmente sa casque, forcément. Patati patata, Larry Goodman, staff member Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus en contrat avec nous, il faut aller rechercher Jérôme. Il faut sauver le soldat Jérôme. J'ai oublié de re-signer Jérôme. Barbershop, ok. Great Work, très bien, impeccable. On fait de l'argent en plus, apparemment. Et une nouvelle promotion a ouvert, la City Limits Fighting. Intéressant. Meeting. L'industrie va mal, hein. Ouais, 32%, vous voyez, c'est un petit peu la loose. Très bien. On n'a plus Jérôme, par contre. Il faudrait monter notre production de Valouse à 45%. Faisons-le tout de suite. Oui, j'ai pris de l'argent. Hein. Oula, j'ai pris de l'argent. On va monter tout de suite la produc ici. On va monter, je pense, le merchandising également. Hein. Voilà, je vais peut-être même le passer à 100 000, ça peut être bien. Et je vais monter la pub, je vais la remonter aussi. Tant qu'on fait de l'argent, on va la passer à 35. On va pas se priver, les amis. Regardez, on a encore fait un excellent mois économiquement avec 241 000 dollars de bénéfices. Ce qui va nous permettre, je pense, de signer d'autres catchers, de peut-être consolider certains statuts. Je vais pas pouvoir, je pense, re-signer Pete Dunne, qui ne coûtait rien d'ailleurs. Voilà, qui va vouloir bouger vers plus grosse promotion parce qu'il a un overness trop important. Et Marty Scurll, par contre, je vais pouvoir le signer. Hein. Marty Scurll. Je pense que ça va pas faire de vague si je le re-signe. Je vais peut-être pas mettre. Je vais mettre 2 ans. Il veut pas signer un aussi long contrat. Si je lui mets 1 an, il signe. On reprend donc du coup notre ami ici 1 an de plus. Par contre, Pete Dunne nous quitte dans 3 mois. Bon, en 3 mois, on a quand même la possibilité de faire beaucoup de choses. Télévision, la CMLL, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vient de faire? View Other Show. CMLL qui vient de se positionner le Tuesday en graveyard. Donc on va pas être face à eux. Ça va. Ils sont sur Univision. Donc non, on va pas être face à la CMLL directement, donc tant mieux. Le titre, le STO Contender, est à 65 d'image. Excellent, très bon titre. Il va peut-être falloir songer à en voir d'autres. C'est con d'ailleurs qu'on est si bas. Parce que tu vois, regarde, t'as AJ Styles qui est là, qui est tout libre, qui a 81. Et forcément, notre structure n'est pas assez grosse pour lui. Quoi. Ouais, dommage. Est-ce qu'il y a encore des excellents catcheurs sans contrat? Parce que là, maintenant qu'on peut se faire un peu plaise niveau pognon, est-ce qu'il y a des catcheurs sans contrat qu'on peut peut-être essayer d'aller choper, même s'ils sont chers, entre 45 et 55, mais vraiment de bons catcheurs? Ouais, voilà, avec par exemple du charisme à gogo, on va mettre du 70. On va baisser un peu le speed. Le speed, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, 40.
Je vais regarder quand même une bonne note technique. Parce que apparemment la majeure partie de nos catcheurs sont quand même de très bons techniciens. Et on va mettre 50. Est-ce qu'on a qui on a ici? On a Chris Dickinson, ok, qui tourne avec la World Japan, donc ça va pas m'intéresser. Jimmy Rave, qui tourne avec personne. Jimmy Rave, ça peut être très intéressant. 47, 54 en brawl, speed à 68, technique à 75, charisme à 78. Ça coûte particulièrement cher, Jimmy Rave, 49 000. Mais ça peut me faire quand même un très bon point, un très bon appui quand même pour la structure. Je pense pas qu'il vaut véritablement le pognon qui est indiqué. Attention, Jimmy Rave. 47 par contre en Overmass, c'est bas. Hein. Ouais, c'est bas. Ils sont où, Roméo et tout ça maintenant? Qu'est-ce qu'il vient, Roméo? Ah, Roméo, il est signé quelque part, super. Luca Di Leo? Ouais, qui est apparemment signé aussi ailleurs. Ah, c'est dommage. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pris à la Pride? Il tourne avec qui normalement, Peter Fisher? Bah, il tourne toujours avec la Pride, il a toujours été conservé à la Pride. Dommage. Other Staff. C'est vrai que du coup, on va encore une fois se retrouver limité pour aller chercher de gros talents en restant à 36% de public image en niveau régional. C'est la guigne, hein, quelque part, parce que ouais, le marché est tellement saturé qu'il y a très peu de bons catcheurs facilement disponibles. Et on se retrouve quand même, au final, assez embêté. Hein, assez. Enfin bon, bref, là en remontant, je pense qu'en remontant, comme on l'a fait, la production values et l'advertising, la note de public image devra monter quand même beaucoup plus vite sur ce mois de septembre. Bon, je vais vous laisser là, les amis. On s'est quand même fait une très bonne session. On a pris à peu près 15% de public image. Mais 15%, au final, si tu réfléchis, c'est assez peu. Il faudrait essayer par mois, enfin, après chaque show, d'en prendre à peu près une. Ouais, en prendre 5-6. Pour monter beaucoup plus vite. Je trouve qu'on est encore un peu léger pour le moment. C'est pas grave, on va quand même se donner les moyens de faire mieux pour les prochains épisodes, pour aller dépasser le 50% au moins à partir du prochain, et aller rattraper le prochain niveau qui sera le niveau culte, qui va nous permettre quand même de faire beaucoup plus de choses. Merci en tout cas encore une fois d'avoir suivi cet épisode d'Extreme Warfare Revenge, les copains. On se donne rendez-vous très bientôt pour plein de trucs, hein, tellement de trucs sur la chaîne. WW2K, il y a le super kick-off, il y a tout, le super kick-off. C'est ce soir, oui, TLC, on va se couvrir ça avec les amis Norbert et Rabi. Et j'ai plus qu'à vous faire de gros bisous à tous et à vous souhaiter une excellente soirée. Prochain rendez-vous, à bientôt que pourra, on verra quand est-ce que sortira le prochain épisode de WR. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.